pour l'épouse du prince Charles, la naissance du bébé de Kate Middleton et du prince William devrait avoir lieu cette semaine. Chez les Middleton, on penche plutôt pour une naissance après le 23 juillet. Alors qui dit vrai? C'est le sujet qui agite tous les bookmakers britanniques mais aussi les sujets de Sa Majesté. Quand le bébé de Kate Middleton et William va enfin pointer le bout de son nez. Au sein même de la famille des époux, les deux futures grand-mères ne semblent pas d'accord sur la date de naissance. D'après les informations de la résidence Clarence House du prince Charles et de Camilla Parker Bowe, l'héritier ou l'héritière de la couronne d'Angleterre devrait naître d'ici la fin de la semaine. Mais pour Carol Middleton, la maman de Kate, le bébé naîtra sous le signe du lion et donc pas avant le 23 juillet. Selon le site Hollywood Life, la future mamie se serait confiée à des amis à ce sujet. Mais Carol Middleton ne s'est jamais exprimée officiellement à ce sujet. De son côté, le Palais Royal n'a jamais annoncé de date officielle. Seul le mois de juillet a été précisé sur le site officiel du royaume. À partir de cela, chacun y va de ses prédictions et le mystère demeure. Mais c'est peut-être la duchesse de Cambridge qui a laissé volontairement planer le doute sur le jour de naissance de son premier enfant. En agissant ainsi, elle s'assure que l'ensemble du peuple britannique, et le reste de la planète, est prêt à accueillir cet événement mondial. Si la version de Carol Middleton est la bonne, les photographes du monde entier devront patienter encore plusieurs jours devant le sein. Mary's Hospital. But there's all times through the rough times I